tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une situation, par exemple, quelqu'un qui est attaqué avec le couteau derrière, ou situation dans un parking, vous arrivez dans votre voiture pour prendre quelque chose dans un coffre, et quelqu'un il est attaqué derrière, côté, ça dépend. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça vous contrôlez sans les armes, sans le bras? Voilà. Donne-moi les clés tout de suite. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Allez. Donc, bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter la situation, comme il est attaqué derrière. Il y a beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde. Il est monté la main. Ou, par exemple, il est déplacé. Contrôle. Et frappe. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Je vous explique pourquoi je ne suis pas d'accord pour ça. Donc là, hop, contrôle la main et frapper. C'est joli. C'est très joli, mais c'est pas les efficaces. Hop, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est la même chose comme plantage. Je trouve. Jamais. Jamais la vie, jamais la vie. Donc, moi je vais vous présenter quelque chose de nouveau. C'est plus efficace, moins risqué. Donc comme il est là, vous tournez votre main, c'est en bas. L'autre main, c'est là-haut, pour développer bien. Donc hop, vous êtes là. Vous tournez vers lui. Hop. Donc vous avez coupé circulation ici. Le couteau, c'est vers lui. Le poignet. Vous tournez, ça casse facilement. Hop, je vous désarme. Bon bah, merci.